vous vous sentez plus comme un fan de science-fiction qui a la chance de faire de l'astrophysique ou un astrophysicien qui utilise la science-fiction pour parler de science? Alors, un peu des deux, j'avoue que un peu des deux, je me sens vraiment comme un astrophysicien, comme un scientifique d'abord, professionnellement. Mais comme j'aime beaucoup la science-fiction et que j'ai aussi eu envie de partager les connaissances que j'ai pu acquérir longuement, péniblement, et d'avoir le plaisir aussi d'échanger avec du public, d'utiliser la science-fiction que j'aime beaucoup comme support littéraire ou comme support de l'imaginaire, disons, m'a beaucoup motivé. Et donc, c'est un peu... J'ai commencé à aimer les sciences avant de faire de la science-fiction, mais quand je suis tombé de la science-fiction, je me suis dit « Ah oui, bien sûr, c'est ça que je veux lire, c'est plus le reste. » D'accord. Quand vous avez... vous n'utilisez pas que les films comme support de science-fiction, il y a aussi le milliard de Tintin, qu'on a notamment. Oui, j'utilise les supports de l'imaginaire en général, que ce soit littéraire, cinématographique ou bande dessinée. C'est vrai que le cinéma est plus utile d'une certaine façon, la bande dessinée est bien utile parce que ça produit des images tout naturellement, il y a des dessins, des films, des images de films, et donc on peut tout de suite s'en servir comme support de discussion, alors que la littérature, il y a des images évidemment, mais elles sont mentales, elles sont suggérées par l'auteur, donc c'est un peu plus compliqué, disons, de travailler les textes pour une conférence. En même temps, ce sont aussi les textes de science-fiction qui sont les plus intéressants souvent, qui produisent les effets ou qui discutent les points les plus intéressants, ou qui sont les plus intéressants depuis la science qui est développée dedans. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu entre les deux. La science-fiction littéraire est vraiment géniale, mais trop peu connue finalement, et ne produit pas d'images directement montrables, alors que la science-fiction cinématographique ou en bande dessinée est pas mal, il y a des choses très bien, mais produit des images directement montrables, et souvent... Surtout quand c'est du cinéma, produit des films qui sont très connus, si on pense à Star Wars ou à d'autres films, qui sont très connus, ce qui permet d'élaborer directement avec le public, qui connaît très bien les films. Alors, quand vous parlez notamment d'un film ou d'une bande dessinée, vous pensez, vous, plutôt comme un critique scientifique, ou vous préférez simplement utiliser le cadre du film de science-fiction ou du support de science-fiction pour parler de science? Alors, l'usage de ces supports de l'imaginaire, c'est, moi, je ne l'utilise pas pour les critiquer, pour dire « Ah, c'est pas bien », au prétexte que la science serait maltraitée. Elle ne l'est pas toujours, mais elle est, disons, souvent maltraitée ou pas très bien traitée. C'est vraiment pas le but de critiquer ça par le biais de la science. C'est vraiment l'idée d'utiliser ces œuvres comme prétexte pour parler de science. Et donc, de partir de l'œuvre, y compris quand les choses ne sont pas très correctes, ou y compris quand les choses sont même très incorrectes, pour élaborer à partir de ça, de dire, quand ça ne marche pas, bien sûr, on ne peut pas laisser passer des choses fausses, entre guillemets, en tout cas que le public imagine des choses, que ces choses fausses soient réelles. Mais l'idée, c'est après de mener une enquête sur le film, de discuter, de comparer avec notre monde, et de comprendre comment fonctionne notre monde. Donc c'est vraiment un détour par l'imaginaire pour mieux parler de notre monde, ou pour en parler, disons, différemment. Pour parler de science. Donc. Exactement. Le but, c'est de parler de science, bien sûr. Pour moi, c'est de parler de science. Alors, quel est le film que vous préférez? Et pour quelle raison vous préférez? Le film que je préfère. Oui, le film que je préfère. Alors, ou qui vous amuse le plus, ou qui vous fait. Alors, le film de science-fiction que je préfère, c'est clairement Blade Runner, la version de Ridley Scott qui est sortie quand j'étais petit. Parce qu'il y a tout ce qu'on aime dans la science-fiction. D'abord, le sense of wonder, comme on dit, l'émerveillement, et plus qu'émerveillement, l'étonnement, et la conjecture rationnelle, la réflexion sur. Un monde différent du nôtre, mais qui pourrait être le nôtre, qui sera peut-être le nôtre dans un futur pas si lointain, et l'interrogation sur les conséquences de ce qui est montré dans le film, de progrès scientifique et technique, en l'occurrence de réplicants, de robots humanoïdes parfaitement intelligents et presque indistinguables des humains, et bien de qu'est-ce que ça a comme conséquence pour eux, bien sûr, et puis pour les humains qui doivent cohabiter avec eux. Donc il y a tout ce que j'aime de la science-fiction, l'émerveillement, l'étonnement, la partie questionnement et envisager le futur, à partir d'une base qui n'est pas encore réelle, on ne sait pas encore faire des robots humanoïdes qui ressemblent à des humains et qui pensent comme des humains ou qui seraient même conscients, mais la question reste posée et elle est intéressante.